Bon, déjà, je peux pas dégainer. Donc là, on est à Londres, hein. On est revenu sur Terre après avoir... après s'être allié avec toute la galaxie. Enfin, avec au maximum de gens de la galaxie. Les moissonneurs attaquent la Terre avec... les armes qu'on a tenté d'utiliser, qu'eux ils ont maîtrisé et qu'ils maîtrisaient déjà avant nous. Bon, finalement tout le monde est avec moi. À plus ou moins de pourcents. Du coup la grande guerre va commencer. Donc je vous présente Shepard. Et pour l'instant elle ne peut pas dégainer. Vous pouvez bien voir qu'on est à Londres. Hein. Cabine téléphonique. Salut. Bien, commandant. Il y a quelqu'un que vous aimeriez joindre? Jacob ou Grunt? Tiens, Grunt, ça fait longtemps. Grunt. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. C'est pas trop tôt, Shepard. Je voulais pas les crever tout seul. Ça fait plaisir de vous revoir en action, Grunt. Pas question de rater ça. La compagnie Aralak est pareil. Donc lui, il a failli se sacrifier pour nous, mais il en est ressorti vivant. Ouais. Parce que si tu fais des conneries dialogue, le dialogue, il peut crever. Bien reçu. Shepard. Ouais. Merci de m'avoir viré de ma cuve. Donc lui, on le retrouve dans le 2. Ça a été un honneur. Pareil pour moi, Shepard. Ok, Grunt terminé. Ils ont trop la classe. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? Ah bah Jacob, tant qu'on y est. Jacob Taylor. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. Donc il y en a qui se sont suicidés pour moi. Shepard, c'est vous? Ouais, pour sauver la galaxie, Jacob, pas pour moi. Ça tient bon? Je botte des culs, oui. T'es sans forme. Je vais battre mon propre score. On pourra comparer notre tableau de chasse plus tard. Ça marche. Je connais un bar sympa à Rio. Faudra y aller. C'est noté. Mettez-leur la misère, Jacob. Oui, chef. Shepard, terminé. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? Ah oui, je peux parler à tout le monde. Jack. Jack. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. Shepard? Shepard, c'est vous? Jack, comment ça va? Bien pour l'instant. On est bien au sud de votre position. On a sauvé des soldats grâce à nos barrières. On vous envoie du renfort tout de suite. J'imagine que si tu pouvais sauver tout le monde, tu peux parler à tout le monde. Je vous décevrai pas, Shepard. Bah oui, parce que j'ai Allez leur flinguer la tête. Putain, j'en ai fait buter quelques-uns quand même. Hein. Je crois que j'en ai perdu 3. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? Samara. Bien, je vous mets en connexion tout de suite. Je me demandais si j'allais vous revoir, Samara. Il est temps que je me lance dans le combat. Votre aide a été précieuse dans le monastère, Shepard. Merci de m'avoir rendu l'appareil. Seuls vos actes marqueront l'histoire. Espérons que vous agissiez sagement. Au revoir. Vous souhaitez parler à quelqu'un d'autre? C'est bon. Ouais. Oui, chef. Désolé, les gars. Pense à vous. Je vais... vous venger, enfin. Alors, par où dois-je aller? Amiral Anderson. Pas une échelle. Il veut pas que je passe. Je veux que vous vous coordonniez avec l'Alliance pour éliminer tous ces problèmes logistiques. Oui, monsieur. Les Krogan le veulent. Ennemis dans le périmètre!
Utilisez-moi ce canon! Se cache et tout. Ah, saloperie. Ah, je l'ai pas eu. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Ok, bon ça c'est fait. C'est bon, c'est nettoyé. Quelles sont les pertes? On a perdu du monde. Ah. Certains des blessés sont condamnés. Les moissonneurs approchent. Vous tenez le coup, Lyra? C'est pour de bon, pas vrai? Ouais, c'est pour de bon. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que quelque chose de très subtil me viendra à l'esprit dans 5 minutes. J'ai quelque chose pour vous, Shepard. Un cadeau. Ça ne prendra qu'un instant, si vous le voulez. Quel genre de cadeau? Vous vous souvenez de la première fois où nous avons joint nos esprits? Je peux partager mes souvenirs avec vous. Léa Sari les échange parfois, avec de bons amis ou les gens qu'elle respecte. Ça peut aussi tenir lieu d'adieu. Ce serait un honneur. J'adore ça. Des câlins. Vos yeux. Des bisous. C'est trop chou. Bon, moi j'ai rien vu, hein. Merci. Merci pour tout. J'ai vu que du blanc. Bon, c'est-à-dire qu'on voit le bout du tunnel, quoi. Faisons ce qu'on a à faire, Shepard. Très bien. J'ai trop la classe dans mon armure. Il est dans quel état? Il faut qu'on soit beaux joueurs avec le reste de la galaxie. On s'occupera de ça. Et cette zone, on pourrait l'encercler et l'envahir avec des renforts. Alors. Oubliez, j'ai passé 3 jours dans ce secteur, planqué dans les mêmes, à tirer sur tout ce qui bougeait. C'est un piège. Administrateur, je parle. Citez-moi un lieu dans cette ville qui ne l'est pas. Se prépare à affronter les moissonneurs. D'autres plateformes arriveront par largage orbital une fois le terrain dégagé. Préparatifs terminés. En attente. Et contre les cibles conventionnelles, contre des moissonneurs. Shepard, j'ai une question. Une petite ou une grande? Putain, mais ça part en fou. C'est important. Ouais. C'est important, ça ne le serait pas, mais... Vas-y. Allez, vas-y, envoie ta question, les j'ai pas le temps. Les moissonneurs n'ont aucune raison de ne pas faire appel à toutes leurs forces pour nous détruire. Leurs troupes sont retranchées. Est bien supérieur au nôtre en termes d'armes et d'effectifs. Voici ma question. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va pouvoir atteindre le conduit? Je ne rate pas 2 fois. Ouais, nous s'estiment trop. Les moissonneurs ont la citadelle. Ils croient avoir gagné.
C'est maintenant qu'il faut frapper. S'ils ont des espions ou d'autres sources de renseignements, nous pourrions perdre notre effet de surprise. Et très probablement, nous avouer vaincus. Tu as peur ? Nos chances de réussite sont supérieures à tout autre projet présenté jusqu'ici. C'était pas ma question. Tu as peur ? Je ne saisis pas le but de cette question. Y a plus de place pour le doute, Ibea. C'est simple. Tu comprends ce qu'on doit faire ou tu comprends pas ? Je sais parfaitement ce que nous devons accomplir, Shepard. Les moissonneurs ont détruit des milliers de civilisations. Mais ils n'ont jamais détruit la nôtre. Et cela n'arrivera pas. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux. Bon, il est temps d'y aller. Allez, allez. Shepard, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. L'homme trouble a ordonné ma création il y a des années. Et Jeff m'a permis de penser par moi-même. Mais si je me sens enfin vivante aujourd'hui, c'est grâce à vous. Eh oui. Merci, Idea. Alors, Amiral Anderson. Commandant. Amiral. Je parcours juste le rapport. Ça donne quoi ? Moins de 40% de marteau s'est présenté au rapport. Dites-moi qu'il en viendra d'autres. Quelques retardataires sont en route. Mais le gros de marteau est bien arrivé. On est prêt comme on ne l'a jamais été. Chaque instant perdu ici profite aux moissonneurs. Allez, allons-y. Totalement d'accord. Chef de bataillon, rapport au QG. Ça a été dur de venir. Mais le pire de la mission est devant nous. Il faut traverser le cœur de la zone contrôlée par les moissonneurs, percer leur défense et atteindre le faisceau. Quel genre de défense ? Tout le secteur est quadrillé par les troupes des moissonneurs. Mais notre plus gros problème, c'est le destroyer qui protège le faisceau. Est-ce que des renforts aériens peuvent s'en charger ? Négatif. Des interférences. Je crois qu'il va falloir le déterrer. Ils ont tracé une saignée, à No Man's Land à travers la ville. Il faudra le traverser. Il n'y aura pas beaucoup d'abris de l'autre côté, mais attendez-vous à une résistance croissante. Il faut approcher nos chars. Si on se place assez près, on aura une chance de détruire cette chose. Quelles sont nos chances ? Ils nous attendent. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera un aller simple. Il n'y aura ni retraite, ni abandon. Nous avançons à tout prix. Entendu ? Hurrah ! Oui, chef ! Johnson, Coates, vous êtes chargé de la coordination de l'artillerie. Shepard, je vous envoie là où la résistance sera la plus féroce. Soutenez les chars au mieux, mais restez en vie. J'ai besoin de vous pour l'attaque du faisceau. Eh ben, j'espère bien rester en vie, ouais. Vous avez une minute avec vos gars. Choisissez bien. Alors attends. Bon, j'en ai pas beaucoup, ouais. Discours. Camarade. Cette guerre nous a causé beaucoup de pertes et beaucoup de souffrances. Mais elle nous a aussi rassemblés. Soldats, alliés, amis. Ce lien qui nous unit est quelque chose que les moissonneurs ne comprendront jamais. Il est plus puissant que toutes les armes, plus résistant que tous les vaisseaux. Il est indestructible. Dommage parce qu'ils auraient pu lui enlever le casque. Souvenez-vous des enjeux. Les prochaines heures vont être décisives pour l'avenir de notre galaxie. Chaque mère, chaque fils, chaque enfant qui va naître. Ils vous font confiance. Ils comptent sur vous pour pouvoir reprendre leur avenir en main. Un avenir libre de la menace des moissonneurs. Alors courage. Regardez autour de vous. C'est trop badass. Vous ne combattez pas seul. Nous affrontons cet ennemi ensemble. Et c'est ensemble que nous le vaincrons. Je sais pas ce que j'ai à choisir une équipe.
La bonne combi, ça serait E3, là. Ouais, lui, c'est un sac à PV, c'est pas mal aussi. Moi, j'ai que 700 de PV. Bon, après, moi, j'ai plus d'options au niveau de mon armure et tout. Ah ouais, direct. J'ai rien qui fait plus de dégâts. Je l'ai même pas acheté sniper à lui. Comment ça? Ah merde. Assez pour en coller là. Ah putain, il m'a mis à droite. Ah, oh, déjà j'ai plus de vie. Là, j'ai été sûr. Ah ouais, j'aurais pu taper dessus. Bébé! T'as une bombe qui a pété au cul, mec.
Accroche-toi. Ouais, on danse sur les cubes. T'as vu, je suis un leader. Aïe. Je pense qu'il faut que je reste en arrière. Non, ah putain. J'ai été sûr. Mon micro est bien allumé. Oui. Quelqu'un sait comment on fait pour abattre un destroyer avec des chars? Les missiles Talix causent des putains de gros dégâts. Si vous le dites, fermez-la. Vous avez entendu l'amiral? Pas de retraite. Putain. Ah, couvert, bande de naze. Oh putain, y'en a plein qui arrivent là. Toi, pourquoi t'es trop devant pour moi? Y'en a partout. Ah, y'a une furie. Putain. Non, je l'ai pas visé. Ah, elle est toute proche en plus. Ah, c'est pas bon ça. Non, elle est sur Garus. Je
leur foncer dessus. Putain. Oh, on en a tué deux. C'est pas cool ça. Elle m'a vu. Vite, Shepard, bute-moi ça. C'est bien. Je te félicite. On essuie un feu nourri depuis le deuxième étage. Demande de soutien. Il y en a une autre. On va nettoyer l'immeuble. Pour qu'on avance. Ah, je sais pas. Ok, ouais. Il en reste un là. Ah non, c'est toi, Garros. Oh, tu m'as fait peur. Des balles. Vol favol. Foxtrot et Bravo subissent un feu nourri. Ah, j'ai peur. Oh putain, il y en a deux. Ça va. Bordel, la compagnie Kilo est en déroute. Oh putain. Alors. Cannibale. Grenade! C'est petit ici, oh! Ah putain! C'est le bordel, ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel, l'autre s'est foutu en plein milieu.
Ah! J'entends des bruits bizarres. Ah, il y en a un qui est resté bloqué. Excellent. Ok les gars, ouvrez l'œil. Les bâtiments nous fourniront un abri, mais ça leur donne aussi une cachette. Bien reçu. Non, c'est ma place. Toi, t'as ton sniper. Mais pas sur moi, patate. Ah, mais change pas d'arme. Allez! Allez! Putain! Ah! Arrêtez de bouger! Vous êtes loin, les gars! Ah, bien joué! Ça. Elle a disparu quoi. Lève-toi. D'où? Oh, je l'ai plus.
réagit 3 heures après, c'est ça. Bébé. Ah, j'étais pas au bout du truc, putain. Dead de l'autre, oui. Putain, c'est quoi ça? Ah, une brute. Il a pas changé d'arme, le con. Papier sur le bon bouton. Pas de me toucher. Oh, je suis mal barré là. Oh, je tire à côté. T'es où, mon gros? Ah. Ah, je me fais tirer dans le dos et tout. Je me fais submerger là. Avance. Putain. Non mais cache-toi, grimpe pas partout comme ça, s'il te plaît. Ah, je suis pas au bon endroit là, je crois. Ça m'attriste. Ah, j'en ai sur ma droite. Allez, un truc. Ah, mais monte sur les caisses. Putain, je suis pas collé contre le mur. Projection biotique d'ailleurs. Ah oui, la munition à distorsion, tu veux dire? Je fais ça. Là, il fait le choc gravitationnel. Et après, je dois faire quoi? Tu lances la projection biotique de Lara. Et c'est quoi la projection biotique? Peut-être que je l'ai pas prise, hein. C'est la rien fait le coup.
Ça lui a fait quelque chose. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que j'y pensais à l'instant là, ça. Je l'avais pas. J'avais pas un truc comme ça. En fait, ce que je fais, c'est que je fais un champ gravitationnel, donc il est fait léviter, et j'utilise munitions à distorsion. Ce qui fait que les adversaires vulnérables en train de léviter sont affaiblis, voilà quoi, j'en fais plus mal. Non. Je peux mettre ça à attendre. Bon, après je joue à normal donc ça va. Pas trop stress. Repéré par le destroyer. On prépare les missiles d'Anix. Vite, cachez-vous. Vous allez juste l'énerver sinon. Alors. Donc on met ça, ça, ça. Attends, mais pousse-toi. Tu peux envoyer un lien, mais par contre, je vais pas aller le voir. Je joue. Ah merde, Freddy. Voilà, Intrépide, elle veut avancer. Ah mais pourquoi pas si ta pourquoi si près? Impossible de verrouiller. Putain. Quelque chose bloque le guidage. C'est une bombe ça? Ah bébé! Merde, il reste de la vie. Merde, mais il est mort. Non mais foutez pas. Ils sont fous. Ouais, tout dedans. Ouais, restez pas couverts. Putain, se croit au saloon, hein.
Et l'exploser quoi. Ouais, on me sortait pas dessus comme ça. Oh là c'est le bordel, je sais pas ce que c'est. Le con il est tombé. Fallait pas tomber. Galère de balle là. Mais bon. Grenade ! Ah oui, il en reste là. Trop mort. La la la, des bruits que pour nous. Avec mon super fusil à pompe. Oh, tire pas à côté, ma chérie. Les services d'urgence, les centres électriques et les gens. Oh putain, ils veulent anéantir la population. Passez le mot.